Alors, nous revoilà sur la rive droite et nous repartons sur Saint-Émilion. Quelle belle appellation! Et au cœur de cette appellation, sur le plateau de Saint-Émilion, donc avec Brian Dessin qui m'accompagne souvent sur le vignoble de Croix-de-l'Abrie, qui est un magnifique petit vignoble. Donc, on a Pierre Courturier qui est juste à côté de nous. On n'a pas son épouse Axelle et je la salue parce que, quand même, c'est. Ouais. Quelqu'un qui est très, très, très important. C'est un couple formidable parce que c'est des gens qui n'étaient pas vraiment directement impliqués. Ils sont devenus plus que ça, peut-être les plus impliqués que je connaisse, avec un souci de détail par rapport à leur produit et un amour de cette propriété absolument, je dirais presque, mais dans le bon sens, surdimensionné. Ils sont là à tous les instants, à tous les moments. Axelle taille ses vignes, Axelle ébourgeonne ses pieds, Axelle est exigeante. J'ai pas dit que Pierre, qui est là, est aussi très exigeant, mais c'est vraiment un couple formidable parce que moi j'y passe avec beaucoup de plaisir. Là aussi, il y a une vraie notion humaine. Je crois qu'on partage ça avec toute l'équipe du consulting, mais plus particulièrement avec Brian. Et sur cette propriété dont Axelle va nous. Dont Pierre va nous parler, de Croix-de-l'Abrie, qui est aujourd'hui, quand même, commence à être une vraie révélation dans l'ère saint-émilionnaise, dont on parle de plus en plus, pas encore assez, mais de plus en plus, et qui fait des vins qui sont tout à fait remarquables. Mais je vais laisser à Pierre le soin de pouvoir expliquer un petit peu leur aventure, parce que c'est vraiment une aventure formidable. Voilà, Pierre, la parole est. Et ouais. À toi. Alors, Croix-de-l'Abrie, c'est une toute petite propriété, comme tu l'as expliqué. Axelle ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est sur une patte, on va dire. Elle a un petit problème de pied. Un petit problème de pied, voilà, exactement. Exactement. Donc, elle tourne en rond dans la maison. Mais une petite propriété qui fait à peine 5 hectares et demi, essentiellement située sur le plateau de Saint-Christophe-des-Bardes. Donc avec les fameuses argileux calcaires, mais aussi des parcelles historiques qui étaient, elles, situées sur le secteur Badon, donc qui est le pied de Pavie, et une autre parcelle sur Saint-Sulpice de Falérin, sur le lieu dit Le Cateau. Donc au travers de ces diversités de terroirs, ben, on essaye au mieux, on va dire, c'est tous les jours, quoi, c'est un boulot de tous les jours, de travailler dans les vignes, d'être au plus juste, comme tu l'as expliqué, et d'exprimer des vins, enfin, d'avoir le retour du travail qu'on essaye de faire en bio, en biodynamie, avec une approche plutôt parcellaire sur le vignoble de Croix-de-l'Abrie. Je crois qu'il y a un vrai souci, alors tu viens de l'exprimer, mais du biotope, vraiment une ouais. Réflexion sur les sols. On parle des sols, mais les sols, c'est des choses dont on hérite, mais c'est des choses que l'on transmet pour des générations. Donc, une vraie réflexion en se disant. Ce qu'on fait dans les sols, c'est très important pour nous, pour la vigne, bien sûr, pour l'expression du fruit. Donc, cette réflexion sur le biotope est terriblement importante. Et puis, ces soucis du détail. Parce que nous, on passe pas. Moi, je passe deux ans pour aller sur d'autres propriétés. Et qui je vois dans les vignes, je vois que c'est. Alors, je te vois moins, Pierre, parce que toi, tu es pour le monde, parce qu'il se partage bien aussi, puisque Pierre est aussi dans ses vignes. On est là pour les beaucoup dégustations. Moins qu'Axelle, hein, beaucoup moins qu'Axelle. On déguste beaucoup ensemble. Ouais. On est là. Mais Pierre fait briller aussi à l'étranger, présente la propriété avec beaucoup de force, de conviction. Ouais, c'est une question d'équilibre entre Axelle et moi. On n'est que deux sur le domaine, donc forcément, on peut pas être partout en même temps. Axelle est plus dédié sur la partie vignoble. La biodiversité, c'est quelque chose pour nous qui est très important parce que. Elle fait partie de notre environnement. Alors oui, c'est un discours de nos jours et d'actualité, on va dire. Mais nous, ce discours-là, on l'a depuis qu'on est arrivé à Croix-de-l'Abrie, c'est-à-dire il y a bientôt 10 ans maintenant. On essaye tant bien que mal d'être le plus juste. Le bio, la biodynamie, c'est des choses vraiment qui nous parlent. Ce matin, on était en train de creuser des fosses. Pour ça que je suis un peu en retard, mais parce que on veut savoir ce qui se passe dans les sous-sols. Et en connaissant bien cette biodiversité, on peut arriver peut-être aussi à avoir des expressions aromatique, plus proche, plus pur, avec des vins qui soient plus tendus, fraîches. Et je crois que le millésime 2020 en est une belle caractéristique définitivement. Après, l'approche qu'on a, comme on n'est que deux à Croix-de-l'Abrie, bah forcément, il faut aussi avoir des équipes. Donc, le consulting nous aide beaucoup dans ce sens-là parce que
effectivement, en tant que vigneron, on n'a pas forcément des fois le recul nécessaire, parce qu'on a tous et toutes la tête dans le guidon. Donc des fois, la relever, c'est pas simple, et d'accepter certaines réalités, c'est pas non plus simple, parce que c'est nos bébés, voilà, tout simplement. Mais c'est aussi important d'avoir cette vision-là, et c'est des visions à long terme. Et la vigne, une décision dans un vignoble, ben forcément, on la voit pas tout de suite, quoi. Elle va un beaucoup plus tard. Mais c'est aussi les équipes derrière qui travaillent avec nous. Je pense à Franck qui travaille avec nous dans la vigne, dans le chai, à Sébastien qui nous passe les chevaux, cheval des vignes, parce que c'est lui qui laboure tout le plateau. Donc voilà, il y a plein de à toutes les équipes des vendangeurs. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui nous suivent depuis le début qu'on est arrivé avec Axel. Et toute cette somme de petits détails font que, bah, à deux, on arrive à avoir cet équilibre-là. Mais c'est une vie de tous les jours. Et l'année dernière, à la même époque, enfin au mois de avril 2020, on était un peu pétochard parce que le gel était là, on était dans les vignes. Ben ça va peut-être se passer la semaine prochaine aussi. C'est la vie des vignerons. Mais ce que je trouve formidable, c'est le jeu, quoi. Dans Croix de l'Abri, c'est qu'à la fois il y a, tu en parlais, cette recherche sur cette notion environnementale, le travail dans les sols, de la vie des sols, de la vie des vignes au travers des sols. Mais il y a aussi à côté, parce que c'est pas toujours le cas, parce que quelquefois on est aujourd'hui dans une période où tout ce qui est environnemental, tout ce qui est préservation de nos biotopes, c'est essentiel. Mais à côté de ça, on n'a pas le droit de ne pas être précis, de ne pas travailler dans la précision et dans la pureté. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'on arrive à faire les deux. C'est-à-dire qu'on travaille sur ces notions environnementales et à côté de ça, le vin doit être pur pour exprimer son terroir. Et plus le vin est pur, plus il exprimera votre grand terroir parce que vous avez un grand terroir. Et plus on travaillera dans la pureté du vin, plus il sera celui qui donnera ses meilleurs... la meilleure touche d'expression du vin par rapport à son terroir. Et ça, je crois que c'est pas toujours le cas, hein, Brian, quand on déguste ça, parce que c'est vrai que les notions de pureté, on y travaille beaucoup, les analyses. Et vous avez raison. Et ce qui est vraiment bien à Croix de l'Abri, c'est qu'au final, ça reste une très petite propriété, mais avec plein de terroirs différents. Et ce qui permet justement d'avoir ces différents arômes, etc., et de pouvoir ramasser les raisins à différents moments, au juste moment, pour permettre d'avoir toute cette précision dans les vins. Et je trouve ça génial. Ouais, c'est exactement ça. C'est une approche un peu bourguignonne qu'on a, de rentrer dans chaque étape. Par exemple, sur les vendanges du millésime 2020, je me rappelle, on était avec Axel, Hubert, tous les trois à croquer les raisins, et on se disait, c'est pas possible, quoi. Ces merlots qu'il y a cette année, ils sont juste exceptionnels. Et même les cabernets francs, qui pour nous, avec Axel, on a vraiment du mal avec le cabernet franc, mais faut être honnête, hein, on demande qu'à changer, et on est arrivé cette année, justement, grâce à ces échanges, à cette remise en question perpétuelle, à avoir des francs qui sont juste... Mais qui viennent donner ce petit relief, cette complexité. Alors, il faut qu'ils soient grands, c'est sûr. Il travaille, je sais que c'était pas forcément ce piece of cake, mais ça le devient, et je pense que ça contribue aussi à une forme, et je sais que c'est aussi ce que vous souhaitez avec Axel, c'est une notion à la fois d'expression de terroir, mais dans l'élégance. Oui, toujours. On y travaille beaucoup, là, depuis 2 ou 3 ans, cette notion, où on veut évidemment l'épaisseur, le fruit, d'ailleurs on va commencer à goûter, on va servir les vins, mais cette épaisseur de Croix de l'Abri, mais à côté de ça, cette notion d'élégance. Il n'y a pas de grand vin, il n'y en a pas. Sans élégance. Et donc, je comprends et je pense que le terroir que vous avez, qui est juste exceptionnel, il faut arriver à le comprendre. Je parlais tout à l'heure d'un chef d'orchestre, à être attentif pour faire les vins qui sont les plus élégants possibles et la mise en valeur de ces notions de terroir. Un vin, ça goûte le terroir quand même. Oui. Et l'humain est là formidablement, mais pour mettre en avant ce côté terroir. Ouais, puis c'est aussi. Pour nous, essentiel d'exprimer au plus juste le terroir, quoi. Alors ça sent le fruit, hein. Si ça sent pas le fruit, pourtant il y a du bois, mais alors le bois est complètement effacé, il est complètement caché. On voit la capacité du millésime à absorber le bois et à être le vin pour le vin. Là, ça sent le fruit, ça éclate le fruit, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ce qu'on avait sur ce millésime. Déjà, on l'avait vu pendant les vendanges, où on avait des merlots, ils étaient croquants, ils étaient frais, on avait des belles acidités, on a voulu vraiment garder ces fraîcheurs-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris le parti de vendanger un peu plus tôt,
que d'habitude, justement, pour garder le côté fruit et fraîcheur de bouche. Mais on a effectivement ce côté très frais au niveau de ce millésime. Et là, on a quand même l'impression que les racines, elles sont allées chercher. Hein, parce qu'il y a un milieu de bouche avec une densité. On a l'impression qu'on va s'accrocher là, dans le rocher de Saint-Émilion sans austérité. C'est superbe ce milieu de bouche qui vient remplir sans austérité, mais il est présent. Hein. Ouais, c'est chouette. C'était bon quand on faisait l'échantillon là-bas, mais c'est sacrément bon quand la bouteille est sur la table. Hein. Je crois que c'est un millésime à ce jour avec Axel. On l'a pas. Alors ouais, il y a 18 et 19, mais on passe encore un étage supérieur avec 2020 parce que on a ce milieu de bouche qui est très équilibré, mais avec ce fruit qui reste et une longueur quoi. Et ça, c'est élégant. Ça, je sais pas, Brian, ce que t'en penses. Mais... cette aromatique qui, avec un fruit explosif, un fruit noir, on a ce côté très crémeux, comme le disait Monsieur Deboire sur la mise en bouche, et on a cette dégustation pleine jusqu'à la finale avec un élevage qui est pas du tout marqué. On a vraiment le fruit et ce côté crémeux du fruit mais de l'attaque jusqu'à la finale qui est très longue et qui perdure. Et sur ce milieu, c'est un sentiment crayeux. Ce que j'aime bien, parce que là, c'est vraiment cette notion du salin crayeux, cette notion du sol. Il faut savoir qu'on est en grande partie sur ce plateau. Oui. On a des calcaires profonds extraordinaires. Ces calcaires, ils sont extraordinaires, parce que quand il a plu beaucoup pendant le printemps, ils se sont gorgés d'eau, ils sont intervenus comme une espèce d'éponge. Tout à fait. Et quand il a fait sec, bah, la vigne, elle était super, elle vivait dans des conditions formidables. Ah ouais. Mais on a vraiment le ressenti que le sol est là. Il est là, ce côté crayeux dans la bouche. Et c'est juste... il y a des choses qu'on peut faire ailleurs, on ne peut pas le faire partout. Ces notions crayeux, on les retrouve dans les très grands terroirs en France, il n'y en a pas qu'à Bordeaux, il y en a ailleurs. Mais parce que partout, il y a du calcaire où les racines n'ont pu aller. Ça encore, la science ne sait pas encore expliquer pourquoi la racine qui est allée puiser, ça donne ses côtés crayeux. Mais par contre, ça les donne, et je peux vous dire que c'est assez unique, c'est vraiment salin, c'est quand même unique. Ouais, c'est vrai. Alors, on a bien vu, 2020, c'était quand même une année de contraste parce que l'hiver doux avec de la pluie jusqu'au mois de juin qui a quand même été très difficile. Et puis, un été qui a plutôt été très chaud et très sec. Et c'est vrai que pendant cette période de sécheresse, on a vu nos vignes sur le plateau, ça allait plutôt très, très bien même. Il n'y avait pas de problème de stress hydrique. On n'en a pas eu. Ce qui fait qu'on a ramassé des raisins dans un état sanitaire qui était juste top. Mais on a pris le temps. En fait, avec Axel, on prend le temps. On est plutôt à l'antithèse, et surtout moi, toujours aller à droite, à gauche, etc. On prend sur soi, mais... Tu voyages moins, en ce moment. Ouais, là, ça fait un an. Axel me supporte. Mais ça nous permet aussi de se reconcentrer sur d'autres choses. Mais sur le vin, en tout cas, ce millésime-là, comme tu dis, on atteint beaucoup plus de précision dans des étapes, par exemple dans les élevages, dans les vinifs, on pige tout à la main, donc on y a été beaucoup plus doucement. Dans les températures en vinif, pareil, on a été très très soft. L'idée, c'était vraiment le leitmotiv de garder le fruit et surtout les fraîcheurs de bouche. Parce que vraiment, c'est un millésime où on peut avoir des choses exceptionnelles avec des belles fraîcheurs de bouche. Quand on visite Croix-de-la-Brouille, c'est formidable parce que c'est un chai de poupée hein, aussi. Ah oui, nous, c'est tout petit. C'est un chai de poupée, c'est-à-dire que chaque chose est identifiée. Il y a une toute petite cuve pour les... Alors, c'est pour ça qu'on pouvait parler à la Bourguignonne, toute petite cuve pour isoler tel morceau de parcelle. C'est ça. Et puis qu'ensuite, on les retrouve dans les barriques quand on fait les assemblages. C'est vraiment cette notion de chai de poupée, clairement. Ouais, alors après, on ne peut pas pousser les murs parce que notre chai, il est tout petit. Une fois encore, c'est à taille humaine. On n'a pas la velléité, on ne peut pas pousser nos murs, donc on ne peut pas grandir. Donc, il faut s'adapter à notre environnement. Mais je crois aussi que le fait d'avoir des petites cuves, de vinifier dans des 500 litres aussi, ça aide, on pense, à avoir cette précision dans nos vins, dans l'expression aussi de chacune des parcelles, parce que quand on regarde sur le plateau de Rocheron, par exemple, où on a trois parcelles, on les vinifie toutes les trois à part. Donc, certainement, dans les vins, ben, forcément, je pense que ça doit aussi se retrouver, quoi, quelque part. C'est sûr. Ça se ressent, parce que avec les petits contenants, le fait de tout séparer, on arrive à une précision parcellaire. Et le fait d'avoir ces petits contenants permet aussi de travailler en infusion et de pas extraire, d'y aller tout doucement, et on retrouve cette pureté de fruits grâce à ce côté infusé des vinifications, toujours à température assez basse pour sublimer ce fruit mais qu'on retrouve aujourd'hui dans tes vins. Et ce qui est vrai là, dans nos vignobles, n'est pas forcément vrai à côté. Et donc, quand on peut ne pas assembler
trop tôt, qu'on peut avoir ces fermentations qui sont isolées, on a une meilleure précision parce qu'on a une meilleure identité de chacun des identités de la propriété, une meilleure identité globalement de chacune des spécificités, je veux dire, de la propriété. Et après, si on essaie de travailler, cette année, on l'a fait avec des températures pas trop hautes, il faut garder le fruit, l'extraction, elle doit être toujours maîtrisée, tenue, c'est toujours cette réflexion, on n'arrive pas comme ça, avec un langage, avec... Non, c'est pas écrit. Surtout chez vous, si on arrive pas bien, on repart. C'est vrai que nous, on n'écrit pas beaucoup. On est plutôt au feeling, mais c'est du feeling contrôlé avec des. Une fois encore, les Cabernet Franc cette année rentrent quand même pour à peu près 5% de l'assemblage final. Donc, c'est quand même assez atypique pour nous. On a toujours eu des Cabernet Sauvignon dans le coin de la rue, parce qu'on a toujours eu, avec cette complantation qui est derrière le chai. Mais les Cabernet Franc, on le voit cette année, nous amènent ce côté précis, fruité qu'on n'avait peut-être pas sur les autres millésimes. C'est super intéressant, quoi. Quand le Cabernet Franc est exceptionnel. Ouais. Le plus difficile de tous les cépages bordelais, mais exceptionnel. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans Croix de l'Abri. Hein, et en 2020, c'est ce petit toucher qui fait que, cette petite différence qui fait que là, ça atteint les sommets. Ouais, je sais pas, on est sur le plateau, donc certainement que ça aide à avoir des jolis Cabernet Franc, mais ensuite, voilà, on n'a pas fini nos recherches. On fait partie avec Axel de ces personnes qui, c'est pas intellectualiser les choses, mais on essaye toujours de se remettre en question qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour aller chercher la perfection qui est de toute manière inatteignable. Mais la remise en cause permanente, rien n'est acquis, aller plus loin dans la connaissance de nos sols, parce que ça part de là, ça ne part que de là. Et si on a des raisins qui sont au départ propres, sains, je pense qu'à l'arrivée, c'est plus fastoche, quoi. Beaucoup plus facile.